Coucou mes choubidous. Alors aujourd'hui, je reviens parce que je suis allée à. Vous n'êtes pas prêts, hein? Oh mon Dieu. Primark. J'ai craqué le sac. Non mais franchement, n'importe quoi. Hein? Alors. J'ai trouvé, en fait, j'y suis allée parce que je voulais des pyjamas. J'ai trouvé ce petit pyjama à 7 euros. C'est la taille M parce qu'il taille très très grand, hein, franchement. Alors ça, c'est le haut du pyjama, tout simple. Tout simple. Et là, vous avez le bas de pyjama. Alors, ce sont des petits rennes en vert avec un fond beige. Je les trouve trop trop mignons. Et là, il y a un petit ruban rouge. Franchement, je trouve ça trop trop choupinou. Et c'est la taille M. J'ai vu celui-là que j'ai adoré. Alors, c'est des petits chats. Regardez, trop mignon. Alors par contre, là, vous voyez, il faut faire attention, j'avais pas vu. C'est un petit peu resserré à la cheville. Et là, vous avez un petit peu comme Où est Charlie, là. Voilà, comme ceci. Et le dessin, c'est des petits chats. J'adore. Franchement, je le trouve trop mignon. Celui-là, je l'ai payé 12 euros. Ou 14. Je ne sais plus. 12. Bah attendez. C'est marqué. Alors, 12. Voilà. Et le haut, voilà le haut. Un petit sapin avec plein de petits chats. Miaou, 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 miaou. Et il y a marqué. Mais. Mais oh oui, Christmas, c'est pour les chats. Miaou Christmas. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Voilà, franchement, bah dites-moi ce que ça veut dire. Mais oh oui, je crois que ça veut dire miaou, non? Voilà, et j'ai trouvé, j'ai adoré, franchement. Mais vraiment. Ta-na-na-na-na, nana éternel, la-la-la-la-la, la belle et la bête. C'est trop mignon. Franchement. Et c'est marqué Living for the Weekend. C'est mignon, hein? Voilà. Et ça, c'est la taille L. Et je l'ai payé. C'est celui-là que j'ai payé 14. 13. 13 euros. Alors, par contre, les tailles, ils taillent très grand. Très, très grand. Donc, j'ai pris une taille L. Mais, allez, regardez, taille vraiment grand. Mais je me suis dit, tant pis, alors pourquoi j'ai pris la taille L? Parce qu'il n'y avait plus la taille M. Et là, il est resserré aussi, comme ça. Que le premier n'est pas resserré. C'est pantalon, voyez? Alors, après, j'ai trouvé des petits caleçons pour mon fils. Parce que quand il vient dormir à la maison, eh bien, il aime bien avoir des petits caleçons. Alors, on va regarder comment il est, hein. Tout simplement, hein. Ouais, super, franchement, c'est vraiment ce que je voulais. Voilà, c'est du XXL. J'espère que c'est grand, ça se trouve, c'est trop petit. Voilà, c'est du double XL. Je ne suis pas trompée, hein. Double XL. Voilà, bah, je trouve que par contre, ils sont un peu petits. Mais bon, voilà, ça c'est pour mon fils. Et du coup, bah, je lui ai pris, pareil, à 6 euros, bah, j'en ai pris des noirs, comme ça il les ramènera à la maison aussi. J'ai trouvé pour 2,50 euros un petit t-shirt, j'espère que c'est du coton, 100% coton, donc ça c'est super. Voilà, j'ai pris moutarde, parce que voilà, je me dis c'est sympa, alors je lui ai pris double XL, parce qu'il a grossi. J'ai pris un blanc à 2,50 aussi. Ils sont bien, hein, franchement. Voilà. Je crois que j'en avais pris 4, j'en ai pris que 3. Et je lui ai pris un violet, comme ceci. Il y en avait d'autres à 4 euros, mais ils étaient un petit peu plus épais. Et lui, il aime bien les t-shirts un petit peu fins. Je trouve que c'est un peu grand pour lui, mais bon. J'ai trouvé ce petit oreiller pour 3 euros. 45 par 45, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est plus un coussin. Bon, mais c'est bien pour dormir. Voilà, donc tout est craqué. Donc tout est à laver.
Ben quand même, hein, ça fait tout ça. Hein. Et donc, ça je vous ai écrit. Voilà, donc ouais, j'ai quand même pas mal de commentaires. Et je suis allée à Sosti Green. Je vous en avais parlé de Sosti Green, c'est vraiment génial. Franchement, c'est super. Le sac, je l'ai payé 80 centimes. Mais c'est bien parce que je peux l'emmener partout, je peux faire mes courses avec. Alors, vous avez des petits sacs comme ça, ça emballé comme ça. Après, vous avez d'autres petits sacs. C'est super mignon, c'est un petit cocon. Et j'ai pris ceci, tout simplement, pour mettre des olives ou alors pour mettre de l'eau pour Ivy parce que elle aime bien les petits récipients que je mets sur ma table et elle monte sur la table et elle boit. Et franchement, je l'ai payé 80 centimes. Il est trop mignon. J'ai acheté ce petit chevalet comme ceci. Alors, c'est pour mettre ma toile quand je vais peindre. Et bien, comme ça, vous verrez la toile. Ce sera mieux que... Quoique, moi, j'aime bien peindre comme ça sur une table. Mais bon, voilà. Donc, je l'ai payé. Alors, il valait 2,40. Il n'y avait pas le prix. Elle m'a dit, je peux vous le faire à 1,80. J'ai dit, oui, allez-y. Bah oui, tant qu'à faire. Donc, j'ai payé 1,80. Il est génial. Il est costaud. Hein. Franchement, c'est du costaud. Mais Sosti Green, c'est très, très bien. Alors, ils vendent de tout, hein. Alors, il y en a à Châtelet, il faut regarder, en fait. Il y en a à Châtelet, il y en avait un Créteil-Soleil, et puis je ne sais pas où il y en a d'autres. Alors ça, ce sont des herbes de Satsutsuki, comme ceci. Alors, dedans, il y a... Bah, bravo, Sybille. Eh ben, je ne sais plus, parce que j'ai perdu le truc. Il y avait marqué le truc, je l'ai perdu. Ah, si, il y a ail... Bah, de l'ail. Aïe. Il doit y avoir de l'ail, du sel, de l'ail. Voilà. Mais franchement, ça doit être sympa. Et puis, il doit y avoir de la nette, je pense. Cette chiki, je regarderai. Voilà. 90 centimes. Du coup, j'ai pris le gingembre. Parce que le gingembre, c'est très bon pour la santé. Mais vraiment très, très bon. Je l'ai payé 90 centimes. Alors, j'ai pris, ça c'est pareil, ça coûte rien du tout. Vous voyez, Sosti Green, je l'ai payé 1,80. Même pas, je crois. Même pas. Painting Piece, 1,80. Je l'ai payé 1,80, c'est bien ça. Voilà, parce que je voulais pas, parce que pour faire du bleu, du jaune, avec du bleu et du jaune, on fait du vert, mais il faut rajouter du jaune, du vert. Après, il faut rajouter, pour rajouter du bleu, du jaune, on fait du vert. Et par contre, quand on veut cette couleur-là, il faut rajouter un peu plus de jaune, donc il faut faire plein de mélanges. Donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre celle-ci, un 80, parce que j'aime bien le vert. Ça, je l'ai payé, comment j'ai payé ça, 5,44 €. Mais, honnêtement, honnêtement, vous faites ça et vous mettez, moi j'adore, vous savez bien, c'est des feuillages avec du vert foncé, mais ça va être le top, quoi. Voilà, donc ça, je vais le mettre sur dans ma cuisine. Je peux même faire un fond comme ça. Vous voyez, regardez, il est magnifique. Je l'ai payé 5,40 €, je suis absolument pas déçue. Et j'ai repris des petits pinceaux. Des petites cacahuètes aussi, regardez. 80 centimes. Voilà, vous avez plein de petits trucs, même de la praline dedans. Peanuts et raisins, c'est super bon. Et là, j'ai pris les pinceaux, je les ai payés combien, les pinceaux? J'ai dû les payer 1 € quelque chose, 1,84 €. 1,84 €, voilà, des petits pinceaux et toujours Sosti Green. Ce sont deux sœurs qui ont créé cette boutique. C'est vraiment un cocon. Je ne vous cache pas que c'est vraiment un cocon. Et mon make-up du jour. Voilà. Alors j'avais le rouge à lèvres Sleep Tease. Mais honnêtement, il glisse. C'est pas terrible. Il est de chez NYX. Mais là, je suis un peu déçue de celui-là. Voilà. J'ai tout acheté. Je vous ai tout montré. Et puis, ça... je ne vais pas montrer ça, il y a longtemps. Ça, en fait, ça revient à la mode. C'est un gilet qui est très, très bien, ouvert comme ça. J'avais dû le payer 15 € quelque chose comme ça.
Voilà mes choubidous, ben ma vidéo est quasi terminée. Et voyez, so still going. Voilà, vous avez tout, mais franchement, c'est un petit cocon. Il y a des choses vraiment pas chères. Ceux qui font du scrap peuvent sans problème faire trouver chaussures à leurs pieds, mais c'est particulier puisque c'est le style. Ils ont une mode. Alors s'ils ont du mot vieux, là, en fait, on recommence. Si la mode pour eux c'est violet, eh bien vous aurez beaucoup de choses dans les tons violets. Si la mode c'est vert, eh bien vous aurez des tons verts. Là c'est selon leur collection à eux. Ils ont une collection à chaque fois. Et là ils ont sorti la collection de Noël qui est très mignonne, mais c'est plutôt un peu à l'ancienne, mais c'est assez joli. Voilà. Donc, je vous recommande Sousty Green. C'est pas comme Action, mais c'est pas cher non plus. Hein. C'est franchement pas cher du tout. Sauf que c'est un petit bijou, personne connaît, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et vous trouvez des trucs à 80 centimes, quoi. Voilà. Vous trouvez des trucs même à 59 centimes. Je crois que ça commence même à 19 centimes, parce qu'ils font des bonbons. Franchement, je vous cache pas, c'est vraiment une super boutique. Voili, voilà. Et puis alors ça... Ça, c'est... J'ai jamais vu ça. C'est top. Même pour faire un tableau. Mais là, en l'occurrence, moi, c'est pour mettre sur les murs dans ma salle de bain, dans ma cuisine, parce que dans ma cuisine, faut que je la fasse et ça va être compliqué. Je vais peut-être attendre l'été. Mon frère doit venir. J'ai un frère qui doit venir pour tout m'acheter. On doit tout acheter, les tringles à rideaux, tout chambouler chez moi. Et dans la cuisine, notamment, les tringles à rideaux aussi, la peinture... L'essivage, c'est énorme, alors que j'ai déjà acheté des meubles et tout, donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, pour vous dire, ça, je le mettrai sur les coins des chambranles de porte. Stong, voilà. Dans les tons certainement verts, puisque c'est ce que j'aime. Voilà mes choubidous, bah, sur ce, si ma vidéo vous a plu, bah, mettez un pouce. Si elle ne vous plaît pas, ne faites rien. Ne dites rien. Chut. Bref, faites ce que vous voulez. Et puis, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à mes nouveaux abonnés parce que je suis très très contente et j'espère que ma chaîne vous plaît. Et puis, actionnez la petite cloche et je vous dis I love you, Michli Medi, je te quiero, ciao. Bye bye.